Après que Jésus a dit ces paroles, son cœur est troublé et il déclare : Oui, je vous le dis, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. Les disciples se regardent les uns les autres. Ils ne savent pas de qui Jésus veut parler. L'un des disciples, celui que Jésus aime, est assis à côté de Jésus. Simon-Pierre fait un geste pour dire à ses disciples : Demande à Jésus de qui il parle. Alors le disciple se penche vers Jésus et il lui demande : Seigneur, qui est-ce ? Jésus lui répond : Je vais tremper dans le plat un morceau de pain. Celui à qui je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et il le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Judas le prend et aussitôt Satan entre en lui. Jésus dit à Judas : Fais vite ce que tu dois faire. Parmi les disciples qui sont là, personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela. C'est Judas qui garde l'argent. Alors, quelques-uns pensent que Jésus a voulu dire : Va acheter ce qu'il faut pour la fête, ou va donner quelque chose aux pauvres. Judas prend donc le morceau de pain et aussitôt, il sort de la maison. C'est la nuit. Alors, Jésus dit à ses disciples : Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. En effet, dans le livre saint, on lit : Je vais tuer le berger et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. Jésus ajoute : Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. Pierre lui dit : Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui répond : Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. Pierre lui dit : Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous les disciples disent la même chose. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : Prenez, ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu. Il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité. Je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où j'en boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Jésus et les disciples chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers.